Bonjour, bonjour, c'est à tous, que Dieu vous bénisse très abondamment. Eh bien, tu as rencontré Dieu, tu devrais mener sur terre une vie totalement différente. Tu devrais être la tête, non la cœur, en haut et non en bas, en santé, prospère, béni, épanoui. Ce qui empêche beaucoup de croyants de jouir de la plénitude, de la rédemption, c'est simple, c'est parce qu'ils, un, méconnaissent la présence du Saint-Esprit en eux, et deux, ne comprennent pas pourquoi il est là. Si Saint-Esprit est un esprit de vérité, seul le Saint-Esprit te conduira dans la plénitude de la vérité. C'est l'onction de Dieu en toi. C'est la présence, la puissance de Dieu dans ta vie. Bref, c'est Dieu en toi. Il est là pour émerveiller ta vie, pour permettre à ta vie de passer un autre palier, afin que l'immensité de la grandeur de Dieu par ta vie soit révélée dans ta génération. C'est ce qui fait de toi la lumière du monde. Une lumière allumée qui ne restera pas sous la table, mais sur le boisseau, sur le chandelier, afin que tout le monde voit briller tes œuvres et témoigne de l'immensité de la puissance de Dieu. Laisse-moi te dire que le Saint-Esprit en toi, la puissance de la sorcellerie est trop petite. Les sorciers sont tes petits frères, ils ne peuvent rien contre ta vie. Quelles que soient les conspirations de l'enfer, je déclare ta vie, sur ta vie, que cela ne marchera pas. Donne-moi trois bons amen. Amen, amen, amen. Tu témoigneras de la puissance de Dieu. Cette semaine ne passera pas, que quelque chose d'incroyable t'arrivera. Écoute la voix du Saint-Esprit. Il ne te forcera pas de lui obéir. Mais tu as tout à gagner. Marcher par le Saint-Esprit. Obéir à cette directive. Te soumettre à ses voies. Demeurer dans la sainteté. C'est simplement sa grâce, sa puissance et la vie qu'il dépose en toi qui te rendront à même d'y parvenir. Il ne faut surtout pas désobéir au Saint-Esprit. Que Dieu te bénisse. J'ai dit on est ensemble pour te servir. C'était encore moi, RW, diplômé de l'Académie du désert. À la semaine prochaine. Bye bye. Depuis Kinshasa. Suivez le Révérend sur les réseaux sociaux Facebook, Instagram, Twitter et YouTube. Et suivez-nous en scannant le QR code.